Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, on a vu Laura un peu. Bon, ben, moi j'avais envie aussi qu'on n'oublie pas Mademoiselle Rose. Bébé Rose, c'est un bébé en silicone partiel. Elle a le corps body tissu, je vais vous montrer. Et tous ses petits membres, bras, jambes, sa jolie petite tête, son joli minois, elle est magnifique. Hein. Sont en suédine. Ça me va bien, je trouve qu'elle est très bien comme ça. Hein. C'est pas une. Faut pas penser que c'est une critique parce que Laura, elle est encore entière. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Je vais vous montrer Laura, elle est très bien. Zaza l'a super bien habillée. Elle est toute élégante. Bien choupette, va tata Marlène. Et regardez-moi cette beauté. Elle a une jupe en jean, un joli petit t-shirt manche longue, un joli pull catimini, des petits souliers catimini aussi, et puis le joli bandeau qui fait partie des bandeaux que m'avait offert Nataline. Elle a les petites chaussettes qui viennent de chez les bébés VIP. Voilà, je vous ai tout bien détaillé. Ce gilet, Zal avait trouvé sur Vinted, ce gilet catimini. Il est vraiment joli. Il est petit. Je le mets souvent aussi à ma Virginie parce qu'il est vraiment petit. Oh, petit cœur. Voilà, elle est toute belle. Et puis, ça fait mignon de l'avoir habillée en petite fille. Je trouve qu'elle est très belle. Alors, on va la remettre dans le cosy parce que j'ai pas intérêt à la mettre mal. Sinon, je vais me faire appeler Léontine. Je mets les petites pattes correctement. Je vais vous montrer aussi ce que Christelle m'a fait. Regardez. J'avais eu ça, une gigoteuse, par Sandy, mon amie Sandy. Et elle m'en avait passé deux qui étaient complètement bousillés, les fermetures éclair. Bah, les gens, à force de cric, 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 ils ont cassé les fermetures. Donc, elle avait deux trucs dans les périmés, et abîmés du moins. Et elle nous en avait donné, elle m'en avait donné deux. Bah, j'en ai donné une à Christelle, il y avait celle-ci, et une avec des dessins du bleu marine blanc marin. Donc j'avais dit, Christelle, tu choisis celle que tu veux, tu gardes celle que tu veux, moi je garde l'autre. Et Christelle, elle a défait toute la fermeture, partout, parce que ça faisait tout le tour, hein, et elle l'a cousue. Elle a tout refait, elle a remis la ouate dedans, enfin un boulot de dingue. Hein. Et du coup, ben voilà, Zaza, elle a une gigoteuse pour bébé Laura. Voilà, moi j'en avais une rose qui est à Naya, mais je m'en sers pour tous les bébés. Et c'est bien. Alors bébé Rose, c'est à toi maintenant. Hein. Bon, oui, ma soupinette. Elle est trop belle. Je suis, bon, de toute façon, je suis amoureuse d'elle, mais c'est pas nouveau. Elle a gardé sa couche, on va pas la changer, c'est très bien comme ça. Et puis on va lui mettre une belle tenue qui était dans le trousseau de Laura. Bah oui, hein, c'est on fait des échanges standards, on se prête, on se déprête, on se reprête. J'ai choisi des chaussettes. Alors je voulais des chaussettes hautes, je crois que je me suis trompée. Je voudrais trouver, je sais pas, ça se trouve, enfin moi je trouve pas ça. Je voudrais des chaussettes. Vous savez, des chaussettes très hautes avec des rubans. Avec des rubans à ce niveau, bah, au niveau du genou, là. Ils appellent ça chaussettes hautes. J'ai regardé hein, sur des sites. Bon, après, très honnêtement, je trouve que la vache, les prix, ils se grattent pas, quoi. Bon, j'ai pris des chaussettes, du coup, hautes, sans petit ruban, mais ça sera très bien aussi. Je voulais du rose pour faire le mariage avec le bonnet que je vais lui mettre et la tache tétine. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Le joli bonnet qui appartenait à un bébé magnifique qui s'appelait Lizzie, que Francine m'a offert. Et je le mets souvent à Rose. Comme elle n'a pas de cheveux, ma princesse, tout va bien. J'ai pris quoi d'autre? Eh bien, le joli ensemble avec le ruban gris et le col frou-frou. Les manches, elles sont magnifiques. Regardez-moi cette manche. Avec le petit bloomer, d'où les chaussettes hautes. J'ai pris la tache tétine de chez Création Lila May de Nadia Huet. J'adore ces attaches tétines. J'ai deux tétines, une avec une rose métallique, argent. Et j'ai la même tétine, version. Il faut que j'attrape. Allez, tout tombe. Elle doit être là. Voilà. Je l'ai version rose, rose. Sauf que là, la tétine est attachée et que je ne sais pas l'enlever, la tétine, pour changer le.
En fait, ça passe pas, c'est moi qui suis pas douée, hein, très honnêtement. Doit y avoir un système pour que ça passe, c'est que moi, je ne sais pas faire. Puis, je n'ose pas le défaire. Donc, je mets la tétine qui va avec, ou parfois, je change, je mets la tétine rose, selon. Hein. J'ai deux attaches, plusieurs attaches tétines, d'ailleurs. J'avais eu, moi, en cadeau par Francine, elle avait fait une commande pour moi et Zaza de cette attache tétine avec un bandeau. J'avais eu la tétine, le bandeau, l'attache tétine. Esa avait eu la même chose et Nadia UM avait offert un autre attache tétine en plus. J'avais trouvé qu'elle était charmante. D'ailleurs, elle est charmante. Que fait ce ciseau-là dedans? Et puis voilà. Alors, j'ai ça, je voudrais essayer d'en faire justement un attache tétine en faisant justement ça. Je me dis que si je passe ça dedans et que je vais arriver à lever cette bon sang de poignée de tétine, si je passe ça comme ça et comme ça, je le descends un peu. Voilà, ça fait un joli attache tétine Hello Kitty. Et ça, bah, je peux comme ça, c'est mante, hop, je peux l'accrocher où je veux. Après une boutonnière, après ce qu'on veut. Donc c'est vrai que je garde, j'aime beaucoup cette petite demoiselle. Bon, j'en ai dans ma chambre deux, j'en ai une là. Cette petite souris, je l'avais reçue en cadeau. Voilà. Alors Nénette, on t'a mis des chaussettes. Je les trouve pas assez roses, les chaussettes. J'aurais voulu des chaussettes super, super, super roses, voyez. Est-ce que ça va? Non, c'est pas le même rose, c'est pas joli. Là non plus. Ah, je vais prendre celle-ci. Je trouve qu'elles sont mieux. Hop. Ouais, je suis contente, j'ai trouvé le bon rose. Ah, je suis douée, hein. Alors, on rechangera, refermera ça correctement après. Ah oui, ça va faire de la grande chaussette. Il faudrait que je voie avec Christelle si je peux acheter un ruban rose. Pour essayer. Pour voir si on ne peut pas mettre un petit ruban. Je cherche ça en fait et des tétines particulières. Des tétines, vous savez, ils font. Je ne sais pas si j'ai mon portable. Non, je ne l'ai pas. C'est des tétines toutes silicone et le côté succion, c'est-à-dire le ça là, il est exactement de la même matière et de la même couleur que la tétine. Et ben, c'est pareil, je ne trouve pas. Et puis bon, alors, vous allez me dire, va sur Wish, va sur ces trucs-là, tu vas trouver. Mais bon, moi, je préfère trouver dans les commerces. Et, mais c'est pas que je suis pas une adepte comme tout le monde de l'endroit où on peut acheter moins cher, comme Wish, oui, Amazon ou je sais pas quoi. C'est juste que je peux pas payer moi par carte bleue sur Internet. Voilà, c'est pas que je peux pas. Donc je me dis si je trouve dans le commerce, peut-être ça marchera. Mais clairement, je pense que ce serait moins cher sur les sites Internet. Et ça, t'as sûrement plus de choix, tu peux trouver des lots, tu peux... voilà. Mais bon, comme je suis en arrêt maladie longue durée, là, bon, bah, clairement, financièrement, on va pas se mentir, c'est chaud bouillant. Donc, j'avais demandé, moi, à ne pas avoir le droit, déjà, je l'avais fait il y a longtemps, de payer sur Internet. Ça m'évitait d'être tentée, surtout, hein, et de me mettre dans une situation un peu cata, quoi. Alors, je lui ai mis le bloomer. Il est trop beau. Alors, quand je trouve, si quelqu'un trouve, après, il faut que ce soit quelqu'un que je connais bien, parce que c'est plus facile pour moi de faire ça. Je ne vais pas le faire avec n'importe qui non plus. Si quelqu'un trouve, qui me dit, tiens, regarde, j'ai trouvé, bah, je lui refais un virement, quoi.
Alors, ces petites chaussettes, c'est pareil, je n'ai pas trouvé dans le commerce du tout. Je pense que tu en vois beaucoup aux États-Unis. Hier, j'ai vu une vidéo d'une dame qui faisait des boutiques avec son Reborn et elle avait un rayon entier de chaussettes comme ça. J'en ai vu cette semaine, je sais plus sur. Ouais, sur cette vidéo anglaise là. Je trouve ça beau. Entre mes tétines, mes petits trucs, j'ai vu aussi des jolis trucs là sur internet où tu avais la petite chaussure avec le ruban, un petit chausson très décoré, très joli. Tu avais le bandeau avec en coordonnées, c'était très mignon. Pareil, il faut que je retrouve une ou deux paires de moufles. Je vais trouver des moufles, ça je vais en trouver chez Orchestra quand j'irai. Je voudrais des moufles roses. Parce qu'on partage la même paire. J'ai deux paires de moufles en fait. Mais du coup, quand je lave, vous connaissez ma maladie de la machine à laver. Alors, Minette, on va te mettre hop sur le bidou. Voilà. Comme ça, tu vois les copines en plus. Zou. Alors. Alors, hop, hop, hop. Allez, je vais y arriver. Sou, il est trop beau cet ensemble, vraiment, hein? Oh, choupette. Du coup, on lui laisse bien ses petits moufles, hein, parce que avec mes gros doigts. Oh, la petit pied. Ah, ça fait joli. Et en fait, je voulais des chaussettes roses parce que je veux que ce soit coordonné à son bel attache tétine. Hop. Avec l'anneau de dentition pour la demoiselle. Hop. Et son joli petit chapeau de princesse. Waouh, t'es belle, louloute. Ah ouais, j'aime bien. Le gris et rose, ça va très bien ensemble, je trouve. Bon, j'ai aucun goût d'habitude, hein, on est d'accord. Mais il y a des choses qui me semblent évidentes. Que le gris va très bien avec le rose. Je suis douée. On va mettre un brin de vaseline pure sur la jolie tétine de Lila Mécration. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps avec tout plein de photos de ses créations. Alors bien sûr, il n'y a pas tout, hein. Mais allez voir, elle a beaucoup de talent. Elle est adorable en plus, Nadia. Et j'ai toujours pas été voir, par contre, voyez-moi. Je savais qu'elle avait fait une collection de vêtements. J'avais vu ça par Aurélie, par notre jolie Lily. Allez. On va lui mettre sa tétine, le reste du silicone, je vais mettre que j'ai sur le doigt. On va lui mettre. Et avec le silicone, avec la vaseline, on ne tire pas sur la bouche, quoi, hein, ça protège. Et voilà. Et voilà tes belles chouchoutes. Alors, comment vous la trouvez, ma poupinette? Moi, je la trouve très élégante, très belle. Merci encore à Francine pour ce merveilleux vêtement joli, pour cette merveilleuse tétine, attache tétine, ce merveilleux bonnet, ce merveilleux bébé. En fait, il n'y a que les chaussettes qui sont à moi. Et encore, c'est même pas sûr. C'est peut-être Aza d'ailleurs. Et voilà. Et voilà, elle est toute belle, toute jolie. Eh ben, on va aller nous faire un câlin. Et puis, on vous dit à bientôt dans une autre vidéo. Continuez à vous protéger, bien évidemment. J'ai regardé les chiffres ce matin du Covid. Encore 22 000 cas de plus qu'hier. Voilà, tout est dit. Protégeons-nous, sortons vite de cette situation catastrophique qui nous rend la vie très difficile et le contact à l'autre encore plus difficile.
Et voilà. Bon, allez, bye!